La dernière fois qu'il y a eu canicule dans mon jeu, c'était donc l'été dernier, on a failli perdre Olivier. Hein? Il a failli mourir. Donc on va faire attention quand même. 200 000 simples. Oui, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit 200, mais j'ai bien... Enfin, c'est énorme. Oh non, c'est pas énorme. Tu sais, en vendant des tableaux, puis une fois qu'on aura le jardin, les plantes, ça rapporte aussi beaucoup, beaucoup d'argent. Non, je pense sincèrement que peindre des peintures rapporte beaucoup plus d'argent que d'aller travailler. Si j'ai envoyé Olivier travailler, c'est juste parce que je suis obligée. Oui, on peut mourir avec une canicule, oui. Je te confirme qu'on peut. Et j'ai vite couru à l'abri. Agathe est rentrée à la maison avec un projet scolaire. Ah bah, voilà autre chose. Viens ici. Alors, tu es concentrée, mais tu vas l'être encore plus en réfléchissant à une stratégie. Et après seulement, tu feras tes devoirs. Une fois, j'ai eu un chef-d'œuvre plus de 11 000. Oh putain, la vache! 11 000 le chef-d'œuvre! C'était un Van Gogh, non? Ou Picasso? Parce que moi, au mieux, elle se fait 3 000 simflouzes hein, sur le chef-d'œuvre. Hein. Au mieux. Hein. Allez, c'est bon, t'as réfléchi. Réfléchis encore. Hop, joue. 4 heures, c'est bon? T'es capable de faire tes devoirs en 4 heures? Allez, action. Dans la réalité, oui, les personnages meurent de la canicule. Oui. Les personnes âgées, pardon. 15 000, je crois. 11 000 max, 11 000 max 5 000 pour ma part. C'était un bail copulatrice. J'étais choquée, première fois que c'était si haut. Les trois l'abstraites, quand on est niveau 10, rapportent bien. Ah, merci, un poulpe. Je vais tenter les toiles abstraites alors. Bon, au niveau des lives, je voulais quand même vous prévenir que la semaine prochaine, ça va être un peu plus léger parce que je récupère mini-moi demain au train. Du coup, elle va quand même aller au centre de loisirs parce que, comme j'étais censée travailler, je l'ai inscrite au centre. Donc, il y a quand même 2 jours dans la semaine où je serai libre. Mais voilà, ça limitera les jours, enfin, ça limitera les lives en journée. Et on va plus se focaliser sur le soir. Mini-moi, elle a 7 ans. Et elle revient de vacances de chez sa grand-mère et chez sa tante. Je la récupère demain à Disney. Voilà. Je vais aller faire bosser. Bon, je vais aller faire bosser ma Sim 7. Ouais, je récupère ma fille. Donc c'est fini les lives le week-end en journée comme ça. Youpi. Oula, m'ai trompée. Qu'est-ce que c'est ça? Jour de loterie. Je suis pas sûre qu'on ait le droit d'y jouer à la loterie, moi, mais bon. Vendre. Du coup, tu les as finis, tes devoirs, c'est bon, c'est bon. Oh, t'as le droit d'aller manger. Ton père, il fait des repas gastronomiques, donc fais-toi plaisir. Prendre une portion qui périme jamais, en plus, ça c'est cool. Et retourne-moi bosser. Le mari de ma Sims gagne 6 000 simflouzes dans la publication de livres. Ouais, ça rapporte aussi les livres, mais il faut monter quoi. Alors que là, bah, la peinture, elle est déjà au taquet, donc elle va manger aussi. Par contre, je me demande si je vais pas finir par leur prendre une femme de ménage. Oh, quoi qu'on a Dina. Donc elle servait à quelque chose. Donc on a dit abstraite. Hop là. Et toi, t'en es où là? Est-ce que c'est ton... À quelle heure tu travailles? Dans 3 heures. Bon, je te laisse encore 1 heure pour finir ton bouquin, là. Surtout qu'il te manque quoi? 9%. Je te laisse 1 heure pour finir le bouquin et après, tu vas te préparer pour le boulot. 14. 2 heures. Allez, bouge!
97. Bon, après, prendre une douche méditative. Ah bah t'arrêtes. Bon bah comme ça, tu finiras tout à l'heure. Et regardez les nuages, t'avais fini de préparer à manger. Oui, t'avais fini. C'est bon, on est bon pour la promo et on est niveau 8. Donc il reste 2 niveaux à grimper. On s'en sort bien, hein, franchement, on y arrive. Hein. Mais en fait, Dina, pour toi, elle est qui? Pour Joey. Mais qui est Joey? Qui donc est Joey? Je ne sais pas. Je suis perdue. Ne m'inventez pas des Sims parce que je vais être à la rue. Hein. Vous savez très bien que je suis blonde. Faut pas trop... Pas trop pousser. Et toi? T'en es où? Niveau 5, 100%. Niveau 6, magnifique. Je ne sais pas qui est Joey. Je suis désolée, Elisabeth. Je peux pas t'aider. Je peux pas te répondre. Loupe pas le boulot, toi. Ça va, c'est dans 20 minutes. Et mange un bout avant de partir, parce que... Dépêche-toi. Dépêche-toi! Au pire, tu manges qu'un petit bout. Allez, au boulot. Dina, mon petit. Alors, combien? Elle, ouais, dis donc, Poulpe, t'as raison. Et toi, l'abstraite, ça vaut le coup, dis donc. Je me rends compte que vous avez quand même beaucoup plus exploré le jeu que moi. Parce que moi, je m'étais jamais donné la peine de regarder si les autres types de toiles rapportaient de l'argent. Ah, ton Sims principal, je l'appelle Joey. D'accord. Eh ben, Dina, c'est sa femme, en fait. Sa femme, la mère de ses enfants. C'est un autre délire, les commentaires sur YouTube. Oui, c'est ça. Je suis actuellement en galère avec OBS. J'essaye de faire des tests et tout, mettre en forme pour dès que je fais à mon logement étudiant tester, mais je galère. C'est un peu dur, la prise en main d'OBS, mais après, une fois que c'est réglé, ça roule tout seul. Je te conseille, moi, j'ai commencé en regardant les tutos sur YouTube. Donc tu tapes tuto faire un stream OBS et tu vas trouver, ils vont te dire déjà les premiers réglages qu'il faut mettre. Franchement, moi je me suis beaucoup servi des tutos sur YouTube pour lancer ma chaîne parce que vraiment on trouve de tout quoi. Je vous conseille fortement. Si vous avez besoin d'aide, bien sûr. C'est gratuit. OBS ? Oui, OBS est gratuit, oui. C'est ce qui te permet de diffuser. Je crois que je vais faire ça parce que découvrir toute seule, c'est une grosse galère. Moi, j'y connaissais rien. Hein. Quand j'ai commencé ma chaîne il y a un an, je savais pas faire un montage vidéo, je savais pas streamer, je savais même pas comment ça fonctionnait, tout ça. Et les tutos m'ont vraiment, vraiment bien aidé. Ben en fait, au début, il vaut mieux faire des toiles classiques, vu que c'est ces toiles-là qui augmentent le plus rapidement en qualité. Mais une fois niveau 10, les tailles abstraites sont en qualité élevée et elles rapportent plus. Bah ben, merci. Oui, ok, merci. Salut de retour pour te rejoindre un mauvais tour. D'accord. Tu n'as pas mis toutes les redifs, tu as fait l'événement mariage. Oui, j'ai fait l'événement mariage et elle doit être dans une redif déjà passée. Ça doit être le numéro 3, l'épisode 3 ou l'épisode 4, je crois. La seule replay que j'ai pas mis, c'est celui d'hier soir. Parce que j'ai pas eu le temps d'encoder les vidéos. Et comme en fait, je faisais un live cet après-midi, je peux pas et uploader mes vidéos et faire le live en même temps. J'ai pas assez de connexion. Donc, j'enverrai toutes les vidéos de replay cette nuit et demain dans la journée. Parce que ça suffira pas toute la nuit pour envoyer toutes les vidéos. Donc, je commencerai à les envoyer dans la nuit et ça sera diffusé tout au long de la journée demain. Rien que de mettre... Alors, attends, elle y connaît toujours rien. Bonsoir, Missing. Ça me fait plaisir de te voir. rien que mettre la caméra, ça m'a pris 2 heures à comprendre comment la mettre. Non, mais ça m'étonne pas. J'étais pareil. Je diffuse que via la PS4 où personne peut me voir, donc je suis nulle de chez nulle. Je reviendrai te voir en MP, je pense. Aucun problème. Surtout que ce soit sur... Moi aussi,
Mais tu diffuses avec quoi sur PS? Tu passes directement par la PS4 pour diffuser? Parce que moi, quand je fais des... Ah, non. Si, quand je fais des lives ou des vidéos sur PS4, je passe quand même par mon ordinateur. Enfin bref, on aura le temps d'en reparler en MP, y a pas de souci. Le bébé a faim. Ah oui, c'est vrai. Mais je l'entends pas, il est dans une pièce au fond, on le voit pas, on l'entend pas. Non, il n'a pas faim, tu veux juste la couche sale. C'est pas grave. Mon rapin mettra du Bepanthène et puis voilà. Oui, je suis auxiliaire de puériculture, oui, tout à fait. J'ai écrit trop vite le nombre de photos, oh, t'inquiète. Avec moi, il n'y a pas de souci. Sur PS4, il te faut un boîtier d'acquisition. Oui, ça aussi, j'ai. Pour avoir des toiles qui valent cher, inspiration, puis chevalier de la carrière peinte. Oui, mais j'ai pas la carrière peinte, moi. Missing. Bonsoir, j'ai dit plusieurs trucs que t'as lu en plus. Ah bon? Pardon. J'avais pas vu. Ah, rien, d'accord. Celui d'hier, je l'ai vu. C'est pas là où il y a le Bamba qui devient adulte, qui devient enfant, oui. Tu peux diffuser directement depuis la PS4. Ah ouais. Moi, je me fais bien chier alors avec mon PC en fait. J'ai connecté mon compte à Twitch et c'était en direct. D'accord. Donc je me fais bien chier avec mon boîtier d'acquisition et ma et mon ordinateur. On s'en reparle, ok, pas de souci. Je vais tester à côté l'étoile abstraite. Non mais c'est trop bien l'étoile abstraite. Le bébé va mourir. Mais non, il va pas mourir. Le bébé Fanny n'aie pas peur. Elle sert à ça, la caméra en partie crémonette. La caméra. Ah, la caméra. Moi, j'ai pas de caméra, moi, sur ma PS4. On va te retirer ton bébé. Mais non! Je savais pas, je pensais que c'était comme la 3. Olivia, sa promo. Ah, bah oui, sûrement. Bah non. Marc, il reste 2 heures, elle va peut-être la voir. Alors attends, elle est pas bien. Pourquoi t'es pas bien? Pourquoi t'es pas bien? Hop, utiliser, prendre une douche. Vas-y, arrête, 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 arrête. Vas-y, tu débarrasseras demain. Et au lit. Normalement, faut acheter la caméra à part. Ouais, bah c'est pas grave. Prends mon PC, ça va tout aussi bien. Parce que déjà, rien que le boîtier d'acquisition, il m'a fait mal. Donc, la caméra, c'est pas possible. Je préfère utiliser mon ordinateur. Oh, bah toi aussi, va te coucher. J'ai l'impression que tu es un peu débordé avec Cat Sims et le chat. Et le chat. Ouais. Mais c'est parce que j'aime bien parler avec vous. Alors, je pourrais me concentrer sur le jeu, mais du coup, j'interagirai beaucoup moins avec vous. Et déjà, vous me faites, comment dire, vous me faites le plaisir de venir sur ma chaîne. C'est pas pour que je vous laisse dans un coin, quoi. Si je voulais jouer sans interaction, je jouerais pas en live. Bon, puis c'est pas grave. La caméra, elle coûte moins cher que le boîtier. Bah ouais, mais moi, je savais pas qu'on pouvait diffuser en direct. Donc, bah écoute, tant pis pour moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai encore des sous que j'ai dépensés pour rien. Après, bon, peut-être c'est de meilleure qualité avec le boîtier d'acquisition. Crime, en vrai, elle parle beaucoup. Bah, excuse-moi de vous répondre, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, je parle beaucoup, je réveille les gens. Je fais peur quand je suis pas maquillée. Ouais! Moi non plus, je savais pas. Bon, bah, ça me rassure. Je croyais qu'on pouvait diffuser que genre 15 minutes, un truc comme ça. Je savais pas qu'on pouvait diffuser plus longtemps. Donc il a eu sa promo. Quelles vont être les prochaines étapes? 10 en cuisine. On n'est pas rendu. De toute façon, il a 4 jours avant d'aller bosser. Allez, au lit. Qu'est-ce que t'as, toi, encore à pleurer? La couche sale. Dina. Au boulot. Prends 4 chiens et chats. Ouais. Non. Je sais parce que j'ai regardé à quoi servait la caméra. D'accord. Elle est top et oui, je confirme, seule dans mon coin, je t'ai dépassé, j'ai commencé le défi hier. Bah ouais, je sais bien, mais bon. Je vois pas l'intérêt de faire un live si j'interagis pas un minimum avec vous, quoi.
Je vois vraiment pas l'intérêt. Si c'est pour rester concentré que sur mon jeu et bah je fais ça dans mon coin et puis je vous diffuse la vidéo sur YouTube quoi. Tu es top et je confie. Ah oui, tu es top, d'accord. J'ai déjà lu celui-là. Merci. Non, elle va les tuer. Mais non. Oui, tu vas à l'école, très bien. Toi, avant de manger, fais manger ton gamin. C'est la base. Apaiser. Prendre les restes. Et enlever. Non, laisse ça. Si, enlève la nourriture gâtée. Toi. Toi, tu vas pas prendre des restes parce que tu vas faire à manger. Et tu vas faire à manger un truc normal parce que t'as besoin de bosser ta cuisine normale et pas ta cuisine gastronomique. On est bien d'accord. Bah oui. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Ah oui, c'est vrai que quand il y a un Sim devant le frigo, tu peux pas t'approcher du frigo pour attendre ton tour. Ça serait tellement trop compliqué. Je pense qu'Olivier devrait être plus proche d'Agathe. Elle a pas le temps, il a pas le temps. Il a trop de choses à faire, Olivier, il peut pas. Il n'a pas le temps. Ni d'Agathe, ni d'Inès. Bah c'est clair, ça sert à rien un live sans que tu animes, tu es OP et tu réponds à tout le monde. Écoute, j'essaye. Pour l'instant, c'est encore gérable. Vous n'êtes pas si nombreux que ça. Donc, c'est gérable. Peut-être un jour, si ma chaîne grandit encore plus, peut-être qu'un jour, quand il y aura 100, s'il y a 100 personnes sur le chat, j'aurai peut-être plus la possibilité d'interagir autant et de répondre à tout le monde. Donc, profitons-en pendant qu'il n'y a personne. Pourtant, avant, on pouvait, si un autre Sims... Oui, ça a changé, je confirme. Je me demande pourquoi ils ont enlevé le fait que les Sims attendent leur tour au frigo. Ouais, on est d'accord. Ça a changé, c'est complètement naze. Du coup, t'as fait à manger. On va finir ton jardinage, comme ça on va pouvoir planter des graines. On va même pouvoir se faire une serre. Une piscine et une serre. C'est à ça que sert le slow mode du chat. Ouais, je sais. Mais bon, j'avais pas envie de limiter les gens. Puis on y est pas encore, hein, aux 100 personnes sur le chat en même temps. Pour l'instant, ça va. On est large. Au max, on est 20-25, donc ça reste gérable. Le bébé pleure pas, profites-en. Va donc nous faire une toile. Non, mais pas traversée, mais avant, ils attendaient leur tour à côté. Elle y allait, elle attendait son tour, et ah bah ça y est. Felantin, elle a pas eu de bain de mousse. Alors elle veut son bain de mousse. Ça faisait longtemps, tiens. Toi, tu peux. Tu traverses les gens, toi, pour arriver jusqu'au frigo? J'ai hâte que tu me montes ça, dis donc. T'as parlé trop vite, le bébé pleure. Ouais, mais c'est pas grave, regarde, il avait juste la couche sale, c'est fait. Oh, puis on est mardi, dans 10 heures, il grandit. Wouhou! Quand tu auras 100 personnes, je dirai à tout le monde, j'étais son petit psychopathe du début. Voilà, c'est ça, tu pourras le dire. Ça y est, niveau 5. Donc, on va enlever 500 simflouz. Alors attention, le calcul mental, il est beaucoup trop tard pour ça. 10 séries, combien font 38 122 moins 500? Et au but. 10 séries, combien font 38 122 moins 500? Ça fait 37 622. Merci. Donc, on va enlever des sous. Donc, les sous, c'est pour payer les plants du jardin. Ouais, c'est dans les règles, c'est comme ça. Money. Il a donc dit 37 622. Voilà, magnifique. Donc la première chose que nous allons faire, c'est une piscine olympique. Plus grande que la maison.
Alors lui, il avait l'évier tout prêt, il était à mettre, il est allé mettre, ouais, bah oui, ça c'est le retour de Siri. Oui, ça fait longtemps que j'ai pas fait bosser Siri. Bon, alors où est-ce que je vais foutre la piscine? Genre par là. Ça peut être pas mal. Alors, la piscine. Qu'est-ce qu'on se fait? Un petit octogonal, c'est sympa, octogonal, j'aime bien. Genre ici. Alors. Genre jusque-là. Et puis là. Ah, elle va être vraiment très grande. On va peut-être pas la faire. Ah, peut-être pas la faire aussi grande que ce que j'avais prévu à la base, quand même. Bon, c'est pas mal là comme taille. Ah non, ah, non, non, ça va pas ça. Oh là là. Eh. Tu pourrais respecter les proportions, ça m'arrangerait. Pas mal comme piscine déjà. Allez, n'en parlons plus. Vendu. La piscine. Oh, la tricheuse. Bah non, pourquoi la tricheuse? J'ai oublié, j'ai pas joué aux Sims 2-3 depuis des années. Trophée de la nostalgie de ton live anniversaire. Ah ouais, c'était bien, hein. Ça m'a fait plaisir de rejouer aux anciens. En plus, même le 3, ça m'a fait plaisir de le relancer. Vous savez ce qui serait bien dans les Sims? Qu'on puisse aller squatter la piscine des voisins quand ils sont absents. Oui. Oh, même IRL, moi, ça m'irait bien d'aller squatter la piscine des voisins. À mettre une bordure de piscine. Voilà, c'est joli, ça. Tu vois, ça? Non, ça, c'est plus joli. L'eau. Moi, j'aime bien qu'elle soit bien bleue. Elle est déjà bien bleue. Genre bien bleu qui brille. Magnifique. Et un petit plongeoir. Parce qu'on a quand on a une piscine olympique quand même. Il faut se mettre un plongeoir. Des échelles, même si c'est plus tout à fait nécessaire. C'est important. Non, ça aurait déjà mis. Portail de lumière. Ouais, faudra qu'on mette de la lumière après, hein. Ah, c'est trop petit. Bon, bah écoutez, c'est pas mal déjà. Ils vont pouvoir aller profiter de la piscine. Bref. Et puis, il faut qu'on se fasse une serre avec le jardin et tout. Ah, trop bien. Je viens juste de le lancer. Alors, pour le 3. maintenant qu'il se manque, c'est le cambrioleur. Ouais, ça, ce serait bien le cambrioleur. Une fois que ça a commencé à charger, à changer, c'était une autre histoire. Oui. Ah oui, juste de le lancer pour les Sims 3. Excuse-moi, j'avais pas compris. Oui, non, juste. Je l'ai lancé, j'ai joué un quart d'heure avec. C'était sympa, hein, voilà, terminé. Hein. Je l'ai désinstallé après. Et les pompiers sexy. Ah, Fanny, je vois qu'on parle le même langage, toi et moi. Effectivement, ça manque. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont une maison pourrie, mais ils ont une piscine. Toujours. Tu sais bien que chez moi, la piscine est toujours plus grande que la maison. Puis elle est pas pourrie, la maison. Elle est juste pas meublée et pas terminée. Mais elle est pas pourrie quand même. Arrête de dire. Du coup. T'en es où, toi? Mal à l'aise. T'es jamais contente, hein. Utiliser. Nettoyer. Bah, nettoie là ta machine, là. Et peindre une toile. Oui, non, tu n'iras pas tester la piscine tout de suite, hein. Du coup, on va peut-être se faire quand même la serre à l'arrière de la maison, histoire de pouvoir planter toutes les graines qu'on a là et qui vont nous rapporter plein d'argent par la suite. Don ne te suffit plus, il faut des pompiers sexy. Mais Don pourrait être pompier, c'est envisageable, on peut mixer les deux. Encore une fois, la piscine est effectivement plus grande que la maison. C'est pas vrai, regarde. Quand même. Elle est pas plus grande en mètres carrés, je suis sûre que la maison est plus grande. Voyons. Puis je t'aimerais pas. Enfin, je kifferais d'avoir une piscine comme ça. Je kifferais d'avoir une piscine tout court, en fait. Et la chambre de la petite, ouais. Parce que je dois mettre une piscine, c'est dans les règles. Je dois faire un jardin, mettre une piscine, décorer la maison et que le tout s'avale au moins 100 000 simflouzes. Marc, là, avec la piscine, j'ai dû prendre de la valeur. Eh, 51 000! Je suis obligée. C'est dans les règles.
Faudra que je fasse un petit jardin aussi. Du coup, maintenant qu'on a vu ça, faut que tu ailles bosser ta cuisine. Donc, préparer à servir le déjeuner, haricots saucisses. Alors, on n'est plus dans de la gastronomie là, hein. Je préfère avoir plein d'autres trucs avant d'avoir une piscine. Oui, mais puisqu'il faut, comme ça, ils pourront aller nager dedans s'ils ont trop chaud, tu vois. Ah si, moi j'adorerais avoir une piscine. Oh, l'été, là, c'est trop de bonheur. J'aime tellement nager. Le problème, c'est qu'à la municipale, il y a trop de monde, quoi. Même la plage à l'Isle-Adam, c'est blindé. Pourtant, c'est pas donné la plage, hein, mais. Mais même plein, c'est. Enfin, même à ce prix-là, c'est. Excuse-moi, t'as mis le feu là? Excuse-moi, tu voudrais pas réparer le machin là? Ah non, t'as pas mis le feu, c'est juste une fuite de gaz. Bah ça va. Ouais, t'as raison, vaut mieux nettoyer le plan de travail d'abord. Y a des priorités dans la vie. T'es magnifique. Qu'est-ce qu'il a? Il a trop chaud. Ah mais ça coûte cher un thermostat, tu sais, c'est pas donné. Eh bah continue à bosser ta cuisine là, t'arrêtes pas. T'arrêtes pas de faire de la cuisine. Toi. Bah avant là, ta toilette. Ah non, t'as pas fini. Allez, pouvoir retourner faire un petit peu crac-crac. Ou alors tu écoutes de la musique aussi, c'est possible. Écoutez, fête de fin d'année. Oui, en plein été, oui. J'ai mis le thermostat dans ma partie pour la première fois, je suis pas pressée d'être le jour des factures. Non, mais ça coûte une blinde le thermostat, c'est pas possible. Hein. Bon, ce soir 20h, on fait grandir Inès, j'ai hâte de voir la tête qu'elle a. Des fois, enfin, des fois, je triche. Quand il y a un bébé, des fois, je le fais grandir, je regarde la tête qu'il a, et puis après, voilà, j'enregistre pas. Là, je l'ai pas fait, donc j'aurai la même surprise que vous. Je ne sais pas du tout à quoi ressemble Inès. Agathe est de retour. Ok. Bah, tu sais quoi, il y a plein de ménage à faire. Ça fera monter ta responsabilité. Alors, enlever la nourriture gâtée, jeter, nettoyer. Ah, ça, tu peux pas le laver, d'accord. T'en es où de ta cuisine? Ah, t'en es loin quand même. Tu en es loin. Serviette, le déjeuner, macaroni au fromage. Heureusement que ça se périme plus les plats parce que ça va être un bébé moche rien que pour t'embêter. Mais non, mais pourquoi? Mais non, je suis pas d'accord. Les factures liées au thermostat, c'est pour nous ruiner. Ah, j'avoue, ça coûte une blinde, hein, la climatisation. Bon, toi, t'en es où? Ah oui, c'est faut que t'ailles faire tes devoirs en étant concentré. Donc, une fois que t'auras fait le ménage, t'iras réfléchir à une stratégie, jouer et faire tes devoirs. Voilà, nickel. Qu'est-ce qu'il fait lui? Bah nettoie si ça t'enquiquine, mais continue de bosser. Dîner. Cocktail de crevettes. Ton plaisir. Ah oui, non, mais je veux pas. Vous savez très bien que j'aime pas les bébés moches. C'est pas possible. Un bébé moche, c'est impossible. Elle, j'avais déjà atteint. Oui, j'avais atteint. Toi, l'abstrait, on va continuer. Hein.
Heureusement, j'ai pris avec les points potions résistant au froid et au chaud. C'est gratuit et ça leur fait du bien. Ah, c'est pas bête, ça. C'est pas bête parce que j'ai pas beaucoup de choses à prendre. Après, je pourrais aussi prendre des traits par rapport à genre pour qu'ils aient pas faim, pas envie de faire pipi, tout ça. Mais bon. Ah mais non, mais pourquoi c'est gastronomique? Genre les crevettes, c'est gastro. Nomique. Parce que gastro, c'est autre chose. C'est autre chose. Ah, bébé qui pleure. Hop, arrête tout. Quelle heure? Il est 17h. Allez, dans 3h. Dans 3h, ma pauvre petite. Tu vas pouvoir grandir. Au moins, on t'entendra, on te verra. Je m'en sers jamais en temps normal. Mais bon, sur un challenge comme ça, je m'en sers absolument jamais. Je propose qu'Inès tue Dina. Je lis même pas la suite, en fait. Elle pourra jouer à tablette. Voilà, Fanny, t'as tout compris. Moi, mon mode d'éducation, c'est la tablette. Toi, t'en es ouf. Concentré, joue un petit peu. Voilà, 4 heures. Et après, hop, tu fais tes devoirs. Allez, c'est bon, t'as assez joué. Tu vas mettre moins de 4 heures à faire tes devoirs, hein? Tu te dépêches d'arriver jusqu'à ton bureau, par exemple. Du coup, bah, t'as préparé un repas gastronomique. C'est bien, on est content, mais ça fait pas avancer ta compétence cuisine, quoi. Problème, c'est comment je fais moi pour savoir ce qui est. Bah sinon, on va faire que des haricots aux saucisses, hein. Moi, on est tranquille. Ça, c'est pas. Ça, c'est pas gastro, hein. J'aimerais tellement qu'ils mettent une chose intéressante à l'outil, ouais, moi aussi. Ceci dit, il y a l'arbre à simflouze. Ah, mais oui, c'est ça qu'il faut que j'achète. Elle va passer de la tablette à la table d'échelle comme sa sœur. C'est ça. Lise, s'il te plaît, c'est drôle. Ben non, c'est pas drôle en fait. Je suis désolée de te le dire, mais c'est pas drôle. Et puis, c'était drôle la première fois, la deuxième fois. Au bout de 10 fois, c'est plus très drôle en fait. Excuse-moi, Mister Cool, mais voilà. Au bout d'un moment, quand c'est la seule chose que tu dis en permanence, ben c'est plus très drôle en fait. Du coup, je sais plus où j'en étais. Ah oui, toi, est-ce que tu as fini de valider? Ah putain, elle a fini confiante, cette boulette. Oh, c'est bien la fille à ta mère, toi. Bah va manger, va, va, va. Prendre des restes. Tu cliques sur l'option qui t'affiche que les trucs de cuisine normale. Ouais, c'est pas bête, c'est pas bête. Haricots aux saucisses, voilà. Bah, continue, continue. Prendre des restes, cuisiner. Mais j'ai pas juste. Merde, je suis sur Dina. Quelle courge. Hop. Oui, mais. Tu vois, j'ai pas une option où il y a que des trucs. Pas gastronomique, quoi. Ah si, ça a cuisiné, peut-être. Ouais, c'est ça. Mais bah, les... Non, globe oculaire, je sens que c'est gastronomique, ça. Non? Non, non, mais il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Donc, ça va faire juste haricots aux saucisses, et puis comme ça, on est tranquille. Hop. T'aimes vraiment pas Dina, toujours de sa faute ici. Toujours, toujours. Du coup, toi, ben, t'es comme ta mère, t'y as rien. Et toi, tu vas grandir, parce que j'en peux plus de t'entendre pleurer. Puis c'est l'heure. Change la couche sale. Arrête les écouteurs, parce que... Éteindre. Et...
Plus de choix. Changer d'âge. Cuisiner, c'est pour la compétence cuisine tout court et préparer des plats gastronomiques. Et genre les globes machin, là, c'est pas gastronomique. Inès a vieilli. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir te donner comme trait? Dynamique me paraît bien. Soyons fous. Et voyons voir la tête que tu as, ma pauvre chérie. De toute façon, les bambins, ils sont toujours mignons. Bon, bah, les pommes, pas mal. Elle est mignonne.